Salam alaikum et bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente la recette du tagine d'agneau grillé nommé Mahammar. Today, I would like to share with you a Moroccan grilled lamb tagine called Mahammar. Préparez la marinade en versant l'huile d'olive dans un bol et ajoutez les épices, sel, poivre, paprika, gingembre et safran. Prepare the marinade by pouring the olive oil in a bowl and adding the spices, salt, pepper, paprika, ginger and saffron. Ajoutez l'ail haché finement et remuez avec une cuillère. Add in the finely chopped garlic and stir well. Bien mariner la viande d'agneau et ensuite couvrir d'une pellicule en plastique. Il est préférable de laisser mariner toute une nuit afin que la viande soit bien imbibée de la sauce. Coat the lamb meat with the marinade and then cover with a plastic wrap. It is best to refrigerate an entire night in order for the meat to absorb all the spices. Versez l'huile d'olive dans une casserole et ajoutez l'oignon haché finement ainsi que les épices, sel, poivre, gingembre, paprika. Pour the olive oil in a large pot and add the finely chopped onion and spices, salt, pepper, ginger and paprika. Remuez et ensuite ajoutez les morceaux de viande. Faites cuire à feu moyen pendant 10 minutes. Stir and add in the pieces of lamb. Cook on medium heat for 10 minutes. Au bout de 10 minutes, versez l'eau et ensuite faites cuire à la pression pendant 20 minutes. After 10 minutes, pour the water and pressure cook for 20 minutes. Après ce délai, retournez les morceaux de l'autre côté et faites cuire encore à la pression pendant 20 minutes. Open the pot and turn the lamb pieces on the other side. Pressure cook for another 20 minutes. Retirez les morceaux de la casserole et placez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Remove the lamb pieces from the pot and place them on a cooking tray lined with parchment paper. Couvrez chaque morceau de viande avec un petit morceau de beurre et enfournez jusqu'à ce que la viande devienne grillée. Cover each piece with a small piece of butter and grill in the oven. Entre-temps, à feu élevé, faites réduire la sauce et remuez de temps à autre pour éviter qu'elle ne colle à la casserole. La sauce devra épaissir au bout d'environ 10 minutes. In the meanwhile, on high heat, cook the sauce until it becomes thick and creamy. Stir often to avoid it from sticking to the pot. Pour le montage, placez vos morceaux d'agneau sur votre grand plat et versez la sauce épaisse autour ainsi qu'une cuillère de sauce sur chaque morceau. Vous pouvez également décorer avec des amandes frites à l'huile, mais ce n'est pas obligatoire. Once everything is ready, place the meat pieces on your large plate and pour some sauce all around the meat and a spoonful of sauce on top of each piece of meat. You could also fry some blanched almonds, but it is not obligatory. Voilà, cette recette tire à sa fin. La viande est tendre et pleine de saveurs et la sauce est riche et crémeuse. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. I hope you try this recipe out. The meat is tender and full of flavor, and the sauce is rich and creamy. Enjoy, and see you soon.